L'ancien président de l'Assemblée nationale du Niger, Hama Amadou, ne sortira pas de prison avant la tenue du second tour de la présidentielle. Ce lundi 14 mars 2016, la cour d'appel de Niamey a entendu les avocats de Hama Amadou sur une demande de mise en liberté provisoire. Après les plaidoiries des avocats, le délibéré pour cette nouvelle demande a été renvoyé au 28 mars 2016. Pour des raisons médicales, ça vous l'avez vous-même répété. Nous avons également rappelé la définition qu'il avait donnée à la garantie de représentation. Est-ce que Hama réunit les conditions telles qu'elles ont été définies par la loi? Un point, un certain trait. Et troisièmement, nous avons même dit, même si c'est une liberté sous caution, qui est accordée même aux étrangers qui peuvent justement fuir après la liberté provisoire, on peut les y accorder. Poursuivi dans une présumée affaire de trafic de bébés, Hama Amadou a été arrêté dès son retour d'exil le 14 novembre 2015. Il a été incarcéré à la prison de Filengué, à l'ouest du pays, à 180 km de la capitale, Niamey. Ses avocats restent confiants quant à sa libération prochaine. Vous ne pouvez pas venir plaider devant des tribunaux si par définition vous n'avez pas confiance. De toutes les façons, la décision va être rendue. Nous voulons les arguments. S'ils sont favorables, nous verrons exactement ce pourquoi ils ont statué, puisque nous avons argumenté sur trois points. Maintenant, si la décision ne nous est pas favorable, au vu de ce qui a été dit, nous viendrons vers vous et nous dirons les raisons pour lesquelles nous sommes d'accord ou pas d'accord. Arrivé deuxième au premier tour de la présidentielle du 21 février 2016, Hama Amadou devait affronter le président de la République sortant, Issoufou Mahamadou, au second tour du scrutin le 20 mars 2016. Mais le candidat de l'opposition a décidé de boycotter ces élections pour protester contre son maintien en détention.